ready. Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière conférence, du coup, pour la donne, qui est donc l'événement avec tout ce qui est en rapport avec le développement de jeux vidéo. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, puisque je suis avec Mélissandre Monatus et avec Mathieu, qui vont donc nous parler... Ouh, attends, Mélissandre, dis non, quelque non, chose. bonjour. Ah, j'ai cru qu'on ne t'entendait pas parler. Donc voilà, vous allez pouvoir nous présenter un petit peu tous les deux ce que vous faites. On peut peut-être commencer par toi du coup, Mélissandre. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Oui, alors je suis professionnelle du marketing du jeu vidéo depuis une bonne quinzaine d'années. En fait, j'ai travaillé dans l'industrie en Angleterre, notamment auprès de gros éditeurs comme Activision, Capcom, puis ensuite Wargaming. Et ensuite, j'ai travaillé pour des studios indépendants, notamment Wacko Factory, d'ailleurs, que je salue. Et puis, au cours de mon expérience, j'ai eu aussi la chance de travailler pour cette société qui s'appelle Paradise Games et qui est derrière le concept de l'Africa Corner, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et depuis l'an dernier, je donne également des cours, je suis intervenante, professeure dans des écoles spécialisées dans le marketing du jeu vidéo ou dans le secteur du jeu vidéo e-sport. Voilà. Super. C'est une très bonne présentation parce que voilà, vous l'aurez compris, le chat, on va vous parler aujourd'hui des jeux vidéo africains et donc de l'aventure avec Africa Corner. Et du coup, pour ça, nous avons donc Mathieu qui est un des studios avec lesquels vous bossez, c'est ça? Oui, c'est d'accord. Ça. Alors, on bosse, oui. je vais laisser Mathieu, s'exprimer, mais en fait, on c'est pas tellement on bosse avec eux, mais on essaie de les mettre en avant. D'accord. Voilà, on verra plus tard. Donc, je t'en prie, Mathieu, dis-nous tout. D'accord. En quelques mots, je m'appelle Rabiazo Mathieu, je suis le cofondateur d'un studio malgache qui conçoit des jeux vidéo. On est très rare ici à Madagascar pour ne citer que Lume. Lume, c'est notre entreprise donc, qu'on a créée depuis 2016. On a sorti notre premier jeu vidéo localement en 2017. C'est un jeu de course qui s'appelle Gazga. Il n'est pas encore sorti au niveau international, mais on est en train de travailler dessus. On est aussi sur un autre grand projet qui s'appelle Dahl. Et on a traversé pas mal de chemins. Et on a déjà participé à la Paris Games Week depuis 2018 grâce à Paradise Games. D'où j'ai connu Mélissandre aussi. On s'est croisé notre chemin par rapport à la Paris Games Week. Voilà, en quelques mots. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais depuis combien de temps, du coup, le studio dans lequel tu travailles, quand est-ce qu'il a été fait? Ça fait combien d'années que vous êtes là? C'était en 2015 qu'on était en activité. Ah ouais. Mais on ne s'est pas tout de suite focalisé sur la conception de jeux vidéo, mais sur des développements de sites internet, la conception de spots publicitaires. Mais c'était toujours notre rêve de concevoir des jeux vidéo. Donc, à partir de 2007, on a tout arrêté. On s'est focalisé uniquement sur des jeux vidéo. Mais on sait très bien qu'en Afrique, c'est encore très dur pour des petits studios, surtout indépendants comme nous. Mmh. De démarrer, donc on a traversé pas mal de choses, donc voilà. Mais actuellement, on fait que des jeux vidéo au sein de notre entreprise. On va sortir bientôt un jeu. Super. Ok. Voilà. Et bah, du coup, donc tu vas nous parler un peu plus de ton expérience maintenant, ou est-ce que d'abord, Mélissandre, tu nous présentes un peu tout ça? Ben, alors si je commence, je m'arrête pas pendant une petite demi-heure. D'accord. Et puis après, je vais laisser la parole à Mathieu, ou bien Mathieu commence et puis je finis. C'est ouais. C'est comme vous voulez, parce que il a l'air bien lancé là. Oui, bah oui. Écoute, Mathieu, tu es bien parti, franchement. si tu veux continuer. D'accord. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a été formalisé en 2016. Et puisque c'est très dur de commencer l'entrepreneuriat au niveau du gaming ici à Madagascar et aussi vraiment dans les pays africains, on n'avait pas encore de fonds pour commencer un projet. Donc, il a fallu qu'on switch avec projets de sous-traitance pour pouvoir alimenter en fait les projets de conception de jeux vidéo qu'on avait commencé. Ensuite, au niveau de l'étude des business plans et tout ça, on sait très bien que en Afrique, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat, et donc il y avait beaucoup de problèmes d'accessibilité aussi. Il a fallu qu'on s'adapte notre business plan par rapport aux situations au pays. Donc le jeu, on l'a lancé gratuitement
exemple, le jeu de course. Mais c'était plutôt les grandes entreprises qui ont investi sur les affichages publicitaires qui étaient dans le jeu. Donc, lorsqu'on lance le jeu de course, il y a des spots publicitaires, des logos et tout ça qu'on pouvait afficher sur la route. Et notre jeu de course, c'était un jeu qui faisait la reproduction en 3D des circuits qui étaient dans les quartiers de la ville où on était, dans la capitale. Ça s'appelle la capitale d'Antananarivo. Après, on a traversé beaucoup d'obstacles afin d'aboutir à quelque chose. Le premier obstacle qu'on a traversé, c'était obstacles au niveau technique, au niveau de la réalisation. Parce que déjà, ici à Madagascar, on n'avait pas d'enseignement qui était spécialisé sur la conception de jeux vidéo. On avait uniquement des institutions qui formaient sur la programmation basique de sites Internet. On avait aussi des programmations sur la conception de logiciels. Nous, hein, la plupart des personnes qui sont dans l'équipe, parce qu'on était 15 à l'époque, je m'en souviens très bien, on était en grande partie des autodidactes, surtout des passionnés. D'accord, vous avez tous appris un peu avec Internet, avec YouTube, avec des tutos Exactement. trouvés. D'accord, ah, c'est intéressant. Les jeux vidéo, après, On c'est est un parti. milieu dans lequel on a pas mal d'auto-formation, mais je pensais que c'était. Enfin, du coup, c'est ce qui vous a vraiment permis de vous orienter vers les jeux vidéo en partant à la base Voilà. d'un enseignement plus sur le développement de sites. Ah. D'accord. Exactement. Donc, on est parti sur des moteurs de conception de jeux vidéo qui avaient des langages de programmation similaires à des langages de programmation de sites Internet comme Unity. Et donc, on a commencé dessus, on a développé notre premier prototype de jeu de course. Et donc, on l'a présenté lors d'un salon d'exposition de jeunes entrepreneurs. La plupart de l'audience était très attirée par le projet. Et directement, on s'est fixé comme objectif de sortir le jeu en une année. Et donc, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'expérience à l'époque, la durée de conception du jeu, ça a duré plus de 2 ans, environ 2 années et demie. Donc, on n'avait pas de fonds. On s'était autofinancé, donc on a pris beaucoup de projets à côté, comme je l'ai raconté tout à l'heure, pour pouvoir alimenter notre projet principal. Donc, on l'a commercialisé au niveau national, uniquement à Madagascar, dans un premier temps. On a quand même réussi à embarquer environ 3 grandes entreprises comme Orange Madagascar, etc. Et ça nous a permis de continuer l'aventure par la suite. Lorsqu'on avait terminé notre premier jeu en juin 2017, on a décidé de s'orienter vers un autre type de jeu, dans une autre plateforme, parce que le jeu avant, il était sorti sur mobile, Android et sur iOS aussi. Donc nous, on a voulu faire quelque chose de plus ambitieux pour pouvoir exprimer notre passion et aussi pouvoir nous exploiter notre compétence. Et on est en train de concevoir un jeu d'aventure qui s'appelle Dahl. Dahl, en résumé, c'est un jeu qui raconte en fait des conflits en Madagascar. Des conflits qui ont ravagé beaucoup de la plupart de. C'est une guerre civile en fait. Donc voilà, c'est le but du jeu d'Al. Donc on est en train de le terminer actuellement. Et après les difficultés techniques, on a aussi rencontré des difficultés surtout au niveau de l'infrastructure du travail. Déjà parce qu'on n'avait pas toujours les financements nécessaires pour terminer les projets à temps. Donc on a subi toujours des retards par rapport à nos calendriers. On subit aussi des délestages intempestifs. Ce sont des coupures de courant environ 3 heures par jour, alors que la plupart du temps, nos ordinateurs doivent faire des rendus pendant 24 heures sur 24, par exemple pendant 3 jours. Et s'il y a des coupures de courant, on doit refaire ces travaux-là. Donc, il a fallu aussi beaucoup d'heures supplémentaires, beaucoup de nuits blanches. Ah oui, la Donc, vache. c'était vraiment un travail de passionné. Ouais, c'est ça. Après, Non, non, je t'en prie, vas-y. une fois qu'on avait terminé à peu près le produit, il a fallu faire la porte à porte pour convaincre les entreprises. Et les entreprises, déjà, lorsqu'ils nous ont rencontrés, ils nous ont dit Ah, il y a des concepteurs de jeux vidéo à Madagascar, on ne savait pas. Et s'il y a des concepteurs de jeux vidéo, est-ce qu'il y a aussi des consommateurs de jeux vidéo à Madagascar? Parce que la plupart des jeux vidéo actuellement sont orientés sur des produits dématérialisés. Et on sait très bien que quand on parle de dématérialisation, on parle aussi de la connexion Internet qui est derrière. Et lorsqu'on parle de la connexion Internet qui est derrière, à Madagascar, ça reste encore pas toujours inaccessible, ça reste encore très cher. Et voilà quoi, c'est très difficile parce que même nos consommateurs, même nos fans, nos joueurs qui nous suivent. Oh non, on a perdu Mathieu.
Oh, la connexion. Et c'est la fameuse coupure de courant de 3 heures qui les empêche de travailler jusqu'au bout. Oh non, c'est trop triste. Non. J'espère qu'il pourra reprendre. Alors, Mathieu, attends, est-ce que tu nous entends? Ça a complètement coupé. Oui, je vous entends. Ça a complètement coupé, on a perdu tout. On t'a perdu pendant 5 minutes. Ouais, t'étais en train de dire que la connexion était pas... Oui, t'étais en train de dire que la connexion, c'était difficile à avoir. Et à ce moment-là, ça a frise. Bah, excusez-moi. Ah bah non, il n'y a pas de problème. Là, c'est bon, t'as l'air d'être revenu de manière stable. Du coup, si tu veux reprendre ta phrase, tu disais donc que par rapport à vos fans, c'était compliqué parce que même eux, Internet, donc, c'était pas facile d'avoir, c'était très cher. Donc, je disais que problème d'accessibilité aussi pour les consommateurs, parce que c'est la connexion à Madagascar, ça va être très cher. Et comme on peut le voir, des fois, il y a des baisses de débit aussi, etc., des bandes passantes. Ensuite, les systèmes d'anti-piratage, la plupart des joueurs ici à Madagascar, malheureusement, ils achètent uniquement des jeux qui sont... ils achètent même pas, ils téléchargent des jeux gratuitement qui sont piratés, etc. On n'a pas tellement de système de suivi ici encore à Madagascar. Donc, ça reste encore des obstacles qui seront à surmonter prochainement dans notre pays. Donc, voilà. Et troisième difficulté, dernière difficulté dont je vous aimerais vous parler, c'est la difficulté sur la commercialisation d'un produit numérique parce qu'il n'y a pas de système de protection de droits d'auteur sur les produits numériques. On protège les noms, mais pas vraiment le concept en soi. Et ça nous pose vraiment des problèmes aussi de communiquer sur quelle plateforme. On n'a pas beaucoup d'événements de jeux vidéo à Madagascar, pas beaucoup de plateformes comme Steam, pas beaucoup de plateformes comme Play Store. Lorsqu'on veut commercialiser notre projet, Madagascar n'est même pas listé sur la liste sur Play Store. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont... c'est vraiment inaccessible pour les développeurs ici en Afrique. Et même le système de paiement, Mastercard, PayPal, il y a très peu de personnes qui l'utilisent encore. Donc, voilà à peu près la situation. Et c'est pour ça qu'on dit que le marché des jeux vidéo actuellement à Madagascar n'existe pas encore, malheureusement. Or, les objectifs, notre objectif, c'est d'abord de se faire connaître non seulement au niveau local, mais aussi au niveau international. Parce que les produits de jeux vidéo, ce sont des produits qui ont des caractères universels, un langage universel, doit être toujours exporté à l'étranger. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'aide. On a trouvé Mélissandre, Paradise Games, qui promouvoit des jeux vidéo en Afrique. Donc, on s'est tenu la main. On est allé au Paris pour faire la Paris Games Week. Ils nous ont offert l'opportunité de faire des expositions. Donc, on a eu pas mal d'audience déjà pour la première pour notre première édition à nous de la Paris Games Week en 2018. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues sur le stand, qui ont testé le jeu et qui ont fait des retours. C'est très important. Et ce qui est très important aussi à savoir, c'est que c'est très difficile de commercialiser un produit qui est conçu au niveau national, qui va être exporté et repensé au niveau international. Parce que déjà, les révolutions qu'on essaie de faire ici au niveau national existe déjà partout. Si on essaie de travailler sur des systèmes de paiement en ligne, si ça nous demande beaucoup d'efforts de le faire ici à Madagascar, or que si on s'exporte ailleurs, ça existe déjà un peu partout. Donc, on traverse jusqu'à maintenant beaucoup d'obstacles sur la conception d'un jeu vidéo. Mmh. Et voilà, c'est pour ça que on est les seuls à Madagascar pour l'instant, mais on espère que d'ici quelques années, il y aura beaucoup de studios qui vont naître aussi dans notre pays, dans les pays d'Afrique. En Afrique, il y en a déjà pas mal, comme Curious Game, etc. On a vraiment beaucoup avec de très bons projets. Et on les a d'ailleurs tous. On s'est regroupés grâce à Paradise Game. Donc, voilà notre aventure. Et c'était en 2018. Hein, je vais terminer un peu par là. Vu que la situation qui était un peu critique de l'industrie des jeux vidéo dans notre pays, on a décidé de monter une association pour promouvoir les développeurs de jeux vidéo à Madagascar parce qu'on a constaté qu'il y avait quand même des talents un peu partout dans le pays qui travaillaient tout seuls dans leur chambre à concevoir des petits projets de jeux vidéo et tout ça. Donc, on a essayé de le regrouper. Donc,
C'est une association de groupement des collectifs des développeurs de jeux vidéo. Et on essaie de les mettre un peu en avant, de faire des auto-formations au sein de l'association et faire aussi des ateliers en contactant des personnes qui sont compétentes en dehors de Madagascar. Donc, notre association compte aujourd'hui une trentaine de personnes actives. Et on espère vraiment que grâce à cette station, peut-être que d'ici quelques années, on aura beaucoup de studios de jeux vidéo au niveau local. Et comment s'appelle l'association ? Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais je ne me souviens pas l'avoir entendu. Ben, l'appellation est simple à retenir, Groupement des développeurs de jeux vidéo en Madagascar. Ah oui, d'accord, c'est le nom de l'association. Long, mais... Ah oui, c'était tellement évident que je n'ai même pas compris. Voilà. D'accord. On essaie de trouver plusieurs mots, mais c'est ça qui décrit vraiment. C'est un peu lent, mais c'est ça ce qui décrit vraiment notre activité. Ok, d'accord. On a une question dans le chat de Ubi qui demande est-ce que vous avez accès et êtes au courant des initiatives type Hunter Africa, Digilab Africa, Make Games Africa, etc. Non. D'accord. Je pense pas, mais. Je vais essayer de m'informer. C'est que ça s'appelle comment déjà Alors, il y en a plusieurs. On nous parle de Digilab Africa, Make Games Africa et Hunter Africa. Ah. Alors, moi, il y en a quelques-uns que je connais. Donc, Mathieu, en fait, il ne le sait pas, mais il a travaillé. Ah, d'accord. Il a participé à l'Africa Corner, notamment aussi grâce à Digital Lab, qui a été un de nos partenaires, d'ailleurs, l'an dernier, pour la Paris Games Week. Ah oui. Voilà. On a eu quelques studios. Moi, je m'en souviens de Digital Lab, point barre, mais Digital Lab, voilà, le logo en bleu, moi, je m'en souviens très bien. Alors, Hunter, par contre, je ne connais pas, et l'autre, voilà. Ça me ring a bell, comme on dit, mais je ne connais pas bien. Mais toute façon, alors, ce qui est intéressant, c'est, donc, Mathieu, en fait, a fait un résumé de manière expérientielle, j'allais dire, de tout ce que j'allais dire de manière chiffrée. Mais voilà, quand je ferai la présentation, en fait, vous allez retrouver un petit peu du discours de Mathieu parce que c'est vraiment ça. On s'est pas concerté du tout, il sait pas ce que j'avais dans ma présentation du tout, mais c'est assez révélateur. Donc l'expérience de Mathieu semble correspondre à une expérience typique africaine, en fait, peu importe de quel pays, ou parce que lui en plus c'est une île, hein, Madagascar. Mais ouais. Est-ce que tu vas rester avec nous jusqu'à la fin, Mathieu ? Comme ça, on attend à la fin pour les questions. Oui. Ou est-ce que oui ? Ouais. Okay. Du coup, on va garder les questions de côté parce que tu vas peut-être répondre aux questions avant même qu'elles. Pendant ta présentation, Mélissandre. Du coup, on va peut-être attendre histoire de pas se répéter. Donc, si jamais tu veux nous montrer du coup tes slides, tu peux passer en partage d'écran. D'accord. Alors, hop. Oups. Voilà. Alors, je vais me mettre en mode. Tac. Voilà, ça fonctionne bien de ton côté ? C'est parfait pour moi. C'est bon ? Ouais. Très bien. Je vais attaquer. Donc, c'est une présentation. Alors, je vais tout de suite vous donner un petit peu le contexte de cette présentation. Elle est censée durer une petite demi-heure. En quelques points, on va parler en fait de l'état des lieux du marché du jeu vidéo africain, parce que il me semblait important en fait de montrer un petit peu les chiffres. C'est pas facile à trouver, pour être honnête, c'est pas simple, mais c'est important d'avoir un état des lieux. Ensuite, on parlera de Paradise Game de façon succincte, mais pour comprendre un petit peu d'où vient le projet Africa Corner. Et ensuite, d'Africa Corner, avec le partage d'expérience. Et puis, on devait avoir le témoignage de Mathieu vers la fin, mais on a commencé par l'avoir au début. Et c'est pas grave. Voilà, c'était comme ça que j'avais prévu la présentation. Mais voilà. Je vais commencer par donner un état des lieux des chiffres que moi, j'ai eus lorsque j'ai commencé à travailler pour Paradise Game, notamment sur Africa Corner et d'autres projets liés à l'Afrique. L'Afrique, c'est plus d'1,1, on est maintenant, je crois, à 1,2 milliard d'habitants. Donc, c'est énorme. Et la moitié, en fait, des habitants sont connectés. Ça veut dire que quasiment la moitié des habitants possèdent des smartphones, au moins, smartphones, voire des connexions Internet. De plus en plus, en fait, comme il le disait Mathieu, quelques-uns s'équipent de plus en plus en ADSL et puis dans d'autres pays d'Afrique en fibre également.
Mais voilà, ça c'est un chiffre important bah, parce qu'en fait, en plus de ça, donc là on voit dans le tableau qu'il y a le revenu en millions de pounds. Le revenu, il était à 515 millions de pounds en 2016. Et il faut savoir que rien que la moitié était générée par les pays du Nigeria et de l'Égypte. Les trois autres pays qui suivent sont l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Maroc. Et en fait, ce sont, à l'époque, en tout cas, c'était les pays qui étaient les plus consommateurs de jeux vidéo, même si le piratage reste assez normé. Hein, en fait, hein, en Afrique, on a accès plus facilement à du piratage, mais on verra pourquoi ces revenus sont si élevés. Tout de même. La jeunesse, alors en fait, ce qui est intéressant de comprendre sur le marché africain, c'est sa jeunesse. La jeunesse africaine, c'est vraiment le point fort de l'Afrique. Il faut savoir que, bah, comme je le disais, enfin non, je ne l'ai peut-être pas dit, mais la moitié en fait, des habitants ont moins de 25 ans. Donc, c'est une population très, très jeune et c'est elle, évidemment, qui va booster les marchés du numérique. Et aujourd'hui, on considère que le profil type d'un joueur en Afrique, depuis au moins 2014, il a entre 15 et 35 ans. C'est un étudiant ou bien un jeune professionnel qu'on appelle tech savvy en anglais, et donc qui s'intéresse vraiment à toutes les dernières technologies. Là, sur le tableau, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a un nombre de joueurs qui est passé en 2014 de 23 millions. À 500 millions en 2020. Donc, en fait, une progression exponentielle de plus de 2000%. Et en termes de revenus, bah, on s'y retrouve également, puisqu'on avait des revenus dans le secteur du jeu vidéo à 92 millions, là en euros, hein, qui ont bondi à 310 millions en 2020. Et on considère qu'en 2021, avec le virus Covid-19, on ne sait pas bien, mais on considère en 2021 que les prévisions seront doublées. Donc, on atteindra, même plus que doublé, on atteindrait 642 millions d'euros de revenus dans cette industrie en Afrique. Donc, c'est énorme. Donc, il y a un vrai engouement pour le jeu vidéo. Ça a toujours été un continent qui joue au jeu, mais qui n'a pas eu accès de la même manière que nous. On verra pourquoi. D'ailleurs, le pourquoi, c'est notamment sur les modes de paiement. Donc, Mathieu l'a un tout petit peu dit hein, tout à l'heure dans son expérience, mais aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir accès à Internet dans certains pays d'Afrique. Et si on a accès, bah, c'est par le mobile. Et c'est aussi pourquoi les jeux mobiles sont beaucoup plus développés que les jeux PC ou les jeux consoles. On note notamment que pour les jeux mobiles et consoles, en fait, la proportion est de 20% à peu près de joueurs qui jouent sur console PC et on considère qu'il y a 80-90% qui jouent sur mobile aujourd'hui. Ça s'explique parce que la consommation de data, de données, se fait de manière différente en Afrique. Nous, on a l'habitude de la carte bancaire, la carte Visa, on paie nos produits digitaux avec... avec une carte bancaire digitale. Là-bas, en fait, les modes de paiement par carte bancaire n'est pas encore très courant. C'est une tendance qui augmente tous les ans à peu près de 8,5%. Mais on notait déjà qu'en, par exemple, en 2017, 170 millions d'Africains en fait, étaient bancarisés, c'est-à-dire avaient une carte de crédit et pouvaient donc consommer en ligne. Et c'est encore à peu près à 10%, alors que là-bas, on utilise beaucoup la carte mobile. Hein, ce qu'on appelle la carte mobile, c'est une carte prépayée, en fait, pay as you go. Donc, on va dans un magasin, on achète la carte pour un montant X, et avec ce montant X, on va le dépenser pour des données Internet, pour acheter un jeu mobile, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que le mode de consommation est un frein aujourd'hui pour l'avancée de l'industrie du jeu vidéo. Alors, l'Afrique, en fait, c'est aujourd'hui, on considère que l'Afrique, c'est 1% du marché mondial du jeu vidéo. Donc, ça paraît tout petit. Et oui, ça l'est, mais ça l'est pour ces problématiques dont on a parlé tout à l'heure.
dès qu'elles seront résorbées, voilà, ça va être un marché énorme, puisque la jeunesse africaine faisant, et en plus l'engouement pour les jeux vidéo et pour l'e-sport, j'en ai pas parlé, mais l'e-sport fait partie aussi de tout cet engouement que l'on trouve autour du jeu vidéo, va vraiment accélérer la donne. Je crois qu'il y a un sled qui a sauté, alors attendez. Ouais, non, c'est bon. C'est bien ça. Alors, je vais vous parler un petit peu, pour comprendre l'Afrique, il faut un petit peu parler des différents écosystèmes économiques qui existent, parce que sinon, c'est compliqué de... Enfin, moi, ça me paraissait important de le mettre. C'est un petit peu rébarbatif pour certains, enfin, c'est pas intéressant pour certains, mais moi, je trouve que c'était une donnée importante, donc je vais passer assez rapidement. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'Afrique, en fait, elle s'organise sous forme de communauté économique. Par région. Donc voilà, on a l'Union du Grand Maghreb qui concerne l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. On a les communautés d'Afrique de l'Est va concerner les pays du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, du Soudan, Soudan du Sud, par exemple, de la Tanzanie. On a également la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui, elle, va gérer plutôt donc, les pays d'Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, l'Angola, la République du Congo, le Cameroun et Sao Tomé et Principe, dit-il. Et on a également la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, elle, va concerner la Gambie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, Sénégal, Sierra Leone également. Et enfin, la communauté de développement d'Afrique australe, qui, elle, va donc s'occupe de... Enfin, c'est tout ce qui concerne l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, c'est la plus grande communauté. Hein. Il y a Madagascar, d'ailleurs, qui s'y trouve, le Malawi, il y a Maurice, Mozambique, la Namibie, etc. Je voulais les Seychelles, enfin voilà, toutes ces petites îles aussi, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe. C'est important de voir que en fait, l'Afrique elle est multiple au niveau économique et en fonction des différentes régions dans lesquelles les pays se trouvent, il y aura plus ou moins de facilité au niveau de la création d'une entreprise, de l'accès au digital, etc. Donc, en fait, pour les jeux vidéo, donc Mathieu l'a un petit peu dit, c'est très compliqué de trouver en fait des investissements. Enfin, pour les Africains qui souhaitent créer un jeu vidéo, c'est très, très, très compliqué. Cependant, il en existe quelques-uns. La plupart du temps, ils sont étrangers, mais il existe aussi quelques fonds d'investissement locaux. Je tenais notamment à citer, par exemple, l'ADN. Alors, j'ai plus les acronymes, je suis désolée. Mais l'ADN, elle existe donc au Bénin et c'est une agence en fait qui a pour vocation d'octroyer des fonds qui viennent du gouvernement béninois en fait, mais des fonds qui seront destinés aux entreprises du numérique, dont les jeux vidéo. Donc elle peut aider à l'achat de matériel, par exemple, si un studio a besoin de s'équiper, mais elle peut aussi aider dans l'investissement dans la production du jeu, par exemple, pour donner de l'argent, tout simplement, pour investir. Il y a également la Semé City qui, elle, se trouve de mémoire, il me semble que c'est au Togo ou au Sénégal, je ne sais plus. Non, c'est peut-être au Bénin. Non, c'est toujours au Bénin. C'est un hub technologique qui, lui, va aider en plus à faire des formations. Donc, voilà, il y a très, très peu de fonds d'investissement. Hein, on le voit sur la carte. Hein, j'en ai répertorié sur 4 des régions. J'en ai pas trouvé pour l'Afrique de l'Est. Et ça correspond peut-être à ce que me disait l'un des studios indé qui est venu faire l'Africa Corner avec nous l'année dernière, le studio Letty Arts. Qui me disaient qu'en fait, eux, ils regrettaient de ne pas avoir du tout d'aide. Donc, eux, ils sont dans les pays un peu anglo-saxons et ils n'ont aucune aide. Donc, c'est compliqué. Mais ça arrive, ça vient. Ce que j'ai oublié de dire, pardon, sur cette slide, là, en fait, le gouvernement, notamment béninois, aide, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement a pris conscience que le jeu vidéo était une valeur aussi bien éducatif que culturel, que voilà, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays d'Afrique, malheureusement.
Là, on voit sur cette carte à peu près les endroits où se situent les formations. Donc, en fait, il y a beaucoup de formations en Tunisie. Il y a notamment l'école 3D Net Info qui a été créée par Mohamed Zoglani, qui permet en fait à de jeunes Africains d'apprendre tous les métiers du design 3D. Alors, je ne sais plus s'il y a de la programmation, mais je crois qu'il y a également de la programmation et du développement dans ces formations-là. On a également le réseau des jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'Afrique de l'Ouest qui, elle, est une association, en fait, une ONG qui s'organise pour aider les entreprises, les jeunes diplômés qui ont fait des diplômes différents, mais qui aimeraient s'initier en fait au métier du numérique. Donc il y a des initiatives, celle-ci elle existe notamment au Togo, puisque c'est la chambre du commerce du Togo hein, qui a initié cette initiative. Donc voilà, il y a des choses qui se font, c'est un petit peu disparate. Il y a également après tout ce qui est Paradise Game en fait dans l'une de ces structures. Le Paradise Game Center permet également des formations pour apprendre le développement, la programmation. Mais j'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Voilà, donc voilà, c'est quelques régions comme ça. On compte environ 300 studios sur le territoire africain aujourd'hui. Donc en fait, les studios africains, ils existent depuis assez longtemps, hein, depuis les années 2020. Il existe des studios africains, sauf qu'ils n'avaient pas forcément une forme juridique connue. Comme Mathieu l'expliquait, eux, ils ont mis quand même du temps pour leur jeu, c'est normal, mais il y a des studios qui ont mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Il y en a qui mettent 10 ans pour faire un jeu, mais c'est parce qu'il n'y a pas une infrastructure mise en place pour les aider, pour les supporter financièrement non plus. Et souvent, comme disait Mathieu, c'est plein de développeurs en fait, qui font ça dans leur chambre, à leur temps libre, par passion aussi. Donc, mais on a quand même 300 studios. Donc là, quand je parle de studios, c'est des entreprises qui sont répertoriées comme telles. Ce qui est intéressant pour ces studios-là, c'est que la plupart du temps, en fait, ils s'intéressent plutôt au public africain. Quand ils créent un jeu, ils veulent le créer pour leur marché, en fait, initialement, plutôt que pour le marché à l'international. De toute façon, Mathieu l'expliquait tout à l'heure, c'est compliqué déjà, au niveau national, de commercialiser son jeu, c'est compliqué. Donc, au niveau international, c'est quasi mission impossible, même si il y a des plateformes, mais ces plateformes-là ne sont pas nécessairement accessibles. D'un point de vue développeur, elles ne sont pas forcément accessibles. Je ne sais pas si, par exemple, Mathieu veut mettre un jeu sur une plateforme Android ou iOS. Je crois qu'il n'a pas les accès développeur pour ça. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Enfin, je ne suis pas assez technique, mais il y a encore des barrages, quoi. Là, cette carte aussi, elle montre, en plus des... Alors, il y a des associations locales de développeurs, comme le disait tout à l'heure Mathieu. Elle montre donc que quasiment sur l'ensemble des pays d'Afrique... il y a quand même un engouement pour le jeu vidéo qui commence à arriver. Il y a moins de choses en Afrique centrale, c'est plutôt sur les côtes, en fait, en Afrique de l'Ouest, que l'on va trouver des studios. Alors, il y a quand même une première success story hein, qui existe. C'est celle du Cameroun par le studio Kiroho. Qui a sorti son premier jeu et le premier jeu africain en fait qui a vu le jour on va dire au niveau mondial qui s'appelle Orion, l'héritage des courriers aux dents qui a débarqué sur Steam et en fait ça a été très très bien accueilli. Donc c'est pas le jeu qui s'est vendu le plus au monde hein, mais ça a été un jeu qui a eu le mérite en fait de montrer l'Afrique comme un potentiel continent de développeurs créateur de jeux. Et cette success story en fait l'est vraiment parce que après ce jeu qui est sorti en 2016, le studio a même créé une bande dessinée, enfin plusieurs bandes dessinées autour de l'histoire du jeu. Et aujourd'hui le studio est même en train de développer un nouveau jeu qui s'appelle Le Responsable, toujours qui s'adresse en fait au public africain et à qui veut bien l'acheter aussi.
Et là, ce sera sur les fonctionnaires africains. Je me permets juste de te poser une question par rapport à ce jeu, par rapport à Orion, donc Legacy of the Corioden. C'est un jeu à la base qui avait été développé pour le public plutôt africain ou vraiment pour le public global ou est-ce qu'il y avait vraiment un public cible en fait, en gros? Alors moi, ce que j'avais compris de ce que Olivier Madiba, qui est le créateur de Kiro, du studio Kiro Games, il avait créé ce jeu pour le public africain. Et dans sa façon de voir de toute façon le jeu vidéo, pour lui c'est important, il faut utiliser toute l'histoire que l'Afrique peut proposer. Donc bien sûr l'histoire de l'Afrique de l'Ouest va être complètement différente de l'Afrique de l'Est, etc. Mais en fait lui son vœu c'était vraiment d'apporter la culture africaine, puisque avant celle-là encore, mais beaucoup moins, la culture africaine elle est parlée en fait, elle est transmise par les contes, enfin c'est verbal, elle se transmet vraiment de façon verbale. Comme ça se perd, les jeux vidéo sont une autre manière de passer la transmission ancestrale de contes, légendes, enfin je ne sais pas comment on peut les appeler, de folklore, mais de tout ce qui est important dans certaines régions d'Afrique en fait. Non mais c'est vraiment super chouette du coup de savoir qu'en plus le jeu avait été prévu pour un public africain et qu'il a été super bien reçu du coup de manière globale, donc c'est vraiment très très chouette. Ouais, ça montre que c'est possible et en fait ce qui est intéressant pour le public du coup non africain, c'est de pouvoir découvrir des histoires complètement différentes, même des façons de penser le jeu différentes. Mm-hmm. Peut-être que Mathieu pourra nous en parler plus tard, mais voilà, une personne africaine ne raisonne pas de la même manière qu'une personne européenne, qui ne raisonne pas de la même manière qu'une personne japonaise, qui ne raisonne pas de la même manière qu'une personne américaine. Et donc, c'est toute cette dimension-là qui est en fait à découvrir, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo africain. Là, je vais passer en fait à bientôt à Africa Corner, mais je voulais quand même dire quelques mots sur Paradise Game, parce que Paradise Game, en fait, c'est la structure qui a créé Africa Corner. Et Paradise Game, c'est avant tout en fait une entreprise ivoirienne qui a pour objectif de développer l'industrie du jeu vidéo sur le continent. Donc c'est un très très gros et ambitieux objectif qui est porté par Sidik Bakayoko, le fondateur. Mais c'est quelque chose qui fait à travers différentes actions, pour lesquels j'ai aussi pu travailler avec lui. Et notamment, il a commencé par le premier événement panafricain e-sport et jeux vidéo qui s'appelle le FEJA. Alors, il y a eu d'autres événements, ce n'est pas le tout premier au monde en Afrique, il y a eu d'autres événements, mais son événement, c'est le tout premier qui a réuni le plus de pays en compétition en e-sport en Afrique. Donc, c'était en 2017, la première édition. Et en 2018, moi j'avais participé à celle de 2018, mais voilà, en 2017, c'était ce premier événement qui avait déjà attiré plus de 50 000 visiteurs. En 2018, ça avait très très bien marché, il y avait même eu plus de compétiteurs de pays différents, parce qu'il y en avait eu une douzaine, je crois, de réunis. Enfin, il faut voir que c'est assez exceptionnel d'avoir différents pays qui se déplacent pour des compétitions e-sportive. Au-delà de ça, c'était aussi un événement jeu vidéo familial, parce que son objectif, c'est quand même de, entre guillemets, vulgariser le jeu vidéo, qu'il rentre dans les mœurs d'une manière un peu plus naturelle, parce que pour les gamers, c'est déjà là. Pour ceux qui veulent découvrir, c'est là, mais bon, voilà, en Afrique, on n'estime pas encore le jeu vidéo comme, encore une fois, comme un produit culturel. On va penser plutôt qu'on perd du temps quand on joue à un jeu vidéo, un peu comme en France il y a peut-être 20-30 ans en fait. Donc il y a cette, il y a ce, et puis comme il n'y a pas de vrai soutien encore des gouvernements, ça prend du temps, mais en réalité le marché il est déjà là, parce que le marché africain il n'attend pas les gouvernements. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la slide sur je vais y retourner rapidement. Voilà, cette slide-là, en fait, où on voit les étoiles,
En fait, elle représente tous les studios qui sont dans le jeu vidéo, mais pas que. Ça représente tous les événements également qu'il y a dans en Afrique autour du jeu vidéo. Ça représente les game centers. Je n'ai pas parlé des game centers, mais c'est quelque chose qui est super répandu en Afrique, les game centers. C'est-à-dire que quand on n'a pas la possibilité d'avoir un PC ou une console chez soi, on va dans un game center. Alors, ça peut être une salle de, je sais pas, 10-20 mètres carrés. Où des personnes mettent à disposition des consoles ou des PC avec des jeux et vous payez vos parties. Et ça, c'est dans la culture africaine depuis des années. Moi, je me rappelle, j'avais été en Égypte en 2008 ou 2009. Je le voyais à cette époque-là dans un tout petit truc. Et puis même les consoles étaient dehors, les branchements étaient dehors sur le sol. Enfin, c'est coutumier en fait de jouer aux jeux vidéo, mais on joue pas chez soi, on joue dans les game centers. Alors je me permets juste de te dire, il nous reste 15 minutes du coup, j'espère que ça va aller pour le reste de ta présentation. Ouais, ça va aller, ça va aller. Ok, et après on passera du coup aux questions. Aux questions, parfait, merci. Donc je reviens donc aux différentes activités de Paradise Games. Donc il y a le FEJA qui est cet événement e-sportif et jeux vidéo. Il y a également l'Afrique. Alors attendez, je crois que il y a un petit souci. Oui, il y a le Paradise Game Show. Alors le Paradise Game Show, en fait, c'est une émission télé qui est la première émission africaine qui parle du jeu vidéo. Donc de la même manière qu'il veut vulgariser le jeu vidéo, Sidik Bakayoko a décidé de créer cette émission pour informer en fait déjà la jeunesse africaine autour de tout ce qui concerne les sorties de jeux, les événements. Mais ça va jusqu'à les métiers, jusqu'à parler des métiers du jeu vidéo, jusqu'à parler aussi du langage, des langages différents qu'on peut avoir dans le jeu vidéo. Et il a intégré également la notion e-sportive en mettant en avant des joueurs e-sportifs africains qui donnent leurs tips sur certains jeux. Donc cette émission en fait qui existe depuis 2018. Enfin, qui a existé en tout cas 2018-2019, je crois que cette année, elle n'est plus broadcastée pour l'instant sur RTI, une chaîne d'Afrique de l'Ouest notamment, mais elle continue toujours en ligne. Et cette émission a vraiment cette vocation à donner en fait le plus d'informations autour de cette industrie. Donc voilà, ça c'est un super point fort, je trouve. Il y a également le Game Center. Alors le Game Center, en fait, le Paradise Game Center, c'est un Game Center, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que c'est un endroit où les jeunes vont pouvoir aller jouer à des jeux vidéo, mais également s'entraîner pour ceux qui veulent participer à des compétitions e-sportives et pour ceux qui veulent apprendre également à jouer. Il y a également un espace dédié pour le e-learning, en fait, tout ce qui est programmation, développement, tous les métiers du numérique, enfin, tous les métiers, non, mais si vous voulez, il a voulu intégrer une dimension d'apprentissage pour ceux qui n'ont pas la chance, en fait, d'avoir des formations à proximité de chez eux ou qui n'ont pas la possibilité d'aller plus loin au niveau de leur éducation, parce que ça coûte bien sûr cher. Ensuite on a le Paradise Game Hub, mais ça j'en parle pas trop parce qu'il n'est pas encore sorti, mais ce sera une plateforme que souhaite mettre en ligne Sidik pour que tous les joueurs africains en fait aient une plateforme panafricaine qui regroupe tout en Afrique. Donc c'est un gros projet également. Et enfin Africa Corner, qui est ce dont on va parler, qui est donc le projet pour lequel on est là, c'est-à-dire que l'idée d'Africa Corner, c'était de mettre en avant les studios africains au niveau international. Donc on va attaquer un petit peu. Alors cette ambition, c'est celle de Sidik que j'ai mis en photo ici, pardon. Donc il a cette ambition vraiment de mettre en avant les talents africains, mais pourquoi ? Parce que ça permet de créer en fait des modèles de succès en Afrique. Ce qui est important pour pour aussi qu'une industrie prenne de l'ampleur, il est important en fait que les jeunes puissent avoir des modèles, des rôles modèles. Donc Mathieu, c'est un rôle modèle pour la génération, sa génération, celle qui va suivre, aussi bien à Madagascar, mais également en Afrique, dans toute l'Afrique.
Donc ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, l'ambition, c'est d'éduquer en fait, enfin ça c'est plutôt la stratégie, c'est d'éduquer l'industrie et les consommateurs par la représentation physique, pardonnez-moi pour la petite erreur, de ces studios pour montrer qu'ils existent. C'est très important en fait qu'il y ait une représentation physique parce que c'est le seul moyen palpable en fait que les gens peuvent avoir pour se dire ah tiens ça existe des jeux vidéo en Afrique. Parce que même moi quand il est venu vers moi, c'est dit quand on s'est rencontrés, mais je savais pas quoi. Et en fait si, il y en a plein. J'ai voulu mettre un petit peu en avant. Alors l'Africa Corner en fait c'est un gros projet donc rapidement, Sidik m'avait interpellé comme ça sur LinkedIn. Il m'a trouvé par mot-clé. Il m'a interpellé et puis bon, j'ai répondu. Et 6 mois après, on s'est rencontrés. Et puis, on a discuté. Et j'ai beaucoup aimé sa vision de voir les choses, son projet. Je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Et donc, j'ai accepté de participer à ce projet de mettre en avant Africa Corner, entre autres problématiques, parce qu'il a d'autres, donc, comme on l'a vu, il a d'autres activités pour lesquelles j'ai travaillé aussi avec lui. Et là, le challenge, c'était que quand on s'est vu, c'était genre fin juin, et que lui voulait mettre en avant donc des studios indépendants sur des événements qui ont de l'ampleur, et notamment la Paris Games Week. Donc, on avait pensé à la Paris Games Week. Juin, juillet, août, bon, donc moins de 2 mois en fait pour préparer l'événement. Et donc, ça a été le vrai challenge organisationnel pour moi, parce que au départ, l'idée c'était de faire venir les studios africains à la Gamescom, et puis finalement, après réflexion, c'est pour ça que je parlais de stratégie tout à l'heure. Ben, la stratégie que je lui ai proposée, ça a été plutôt de travailler sur des événements pro, c'est-à-dire B2B, avant de faire du grand consommateur, parce que la Gamescom, c'est un très très gros événement consommateur, mais c'est aussi un événement professionnel, notamment à la DevCom. Et pour introduire les développeurs africains, j'ai trouvé que c'était quand même plus accessible, aussi moins cher et peut-être plus efficace de passer par là. Donc on a commencé par des événements comme la DevCom. Malheureusement, Mathieu, qui devait venir, n'avait pas pu prendre son avion, donc du coup il n'avait pas pu participer. Les autres challenges que j'avais, c'était que j'avais différents contacts, bien sûr, à mettre en place pour faire en sorte que l'Africa Corner soit quelque chose qui soit crédible, qui soit visible et qui soit, crédible et visible, en fait, pardon. Reconnu, j'allais dire. Ouais, c'est ça, en fait, qu'on commence à se dire... prendre ça au sérieux. Mm-hmm. Donc, cette notion de crédibilité était très, très importante pour moi. Du coup, j'ai relancé tous mes contacts de jeux vidéo qui étaient pertinents par rapport à la DevCom, notamment. J'ai travaillé énormément en interne avec les équipes de Sidik, hein, notamment ces graphistes que je salue si jamais ils regardaient ce live, avec qui j'ai beaucoup bossé, mais en très peu de temps, puisque ça a été vraiment maximum 2 mois de préparation pour... avoir les studios, faire le shortlisting des studios qui allaient nous accompagner, recueillir toutes les informations des studios, c'est-à-dire leurs jeux, leurs informations personnelles, les informations du studio, mais même tout ce qui concerne aussi les demandes auprès des ambassades, pour certains, ça a été vraiment un parcours du combattant, parce que c'était hyper intense et sous très peu de temps. Il y a également, bien sûr, les événements que j'ai dû contacter avec leurs prestataires pour mettre en place les stands, en fait, et toute la communication qui devait aller sur les stands. Mais il y a bien sûr toute la partie création d'un branding crédible. On parlait de crédibilité, mais un branding simple, crédible, facile à déployer. Et puis la partie réseaux sociaux, médiatiques. Donc voilà, ça a été vraiment un challenge de mettre tout ça de A à Z. Et puis, il y avait une partie où je devais coacher aussi un peu les studios, parce que pour la plupart, en fait, ils n'avaient jamais fait d'événement. Donc, c'était un apprentissage aussi pour moi de travailler avec autant de studios en même temps et d'essayer de mettre en avant leurs produits de la même manière, d'une manière juste pour chacun, en fait.
Donc, voilà, le branding qui a été créé, ça a été celui-ci, assez simple, straight to the point, en fait, comme on dit. Le message, alors le message, il n'y avait pas de message. Le message logotypé, c'est la carte d'Afrique. C'est, pour moi, c'était le meilleur message que je pouvais véhiculer. C'était c'était l'Afrique, le logo de l'Afrique. Donc ça, c'est par exemple, c'était une carte de visite. Là, c'est un kakémono. Donc visuellement, on sait, si on est dans un salon, on sait déjà que c'est à propos de l'Afrique. Et si c'est un salon de jeux vidéo, on va se dire, ah tiens, il y a des jeux vidéo en Afrique. Et là, les gens vont venir. Ça, c'était l'idée de mettre en place un visuel très, très simple. Et ça a été véhiculé comme ça partout, même sur nos stands. Sur les stands, bien sûr, c'était l'idée de mettre en valeur chaque jeu et chaque studio. Donc, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai préparé des outils de communication qui étaient assez minimalistes mais efficaces, enfin, il me semble efficaces. Donc, un communiqué presse qui a été traduit en trois langues, des visuels pour les communications digitales, de toutes sortes d'ailleurs, de manière à mettre en avant les studios. Donc là, c'était pour la première année, on n'avait que cinq studios, on avait six jeux à mettre en avant, puisque Lomé avait deux jeux à présenter. Donc, voilà. Bien sûr, une brochure, donc pareil, une brochure où tous les jeux pouvaient être mis en avant avec un descriptif plus détaillé de ce qu'ils véhiculaient. Les événements. Voilà, donc quelques photos des événements qu'on a fait, la DevCom notamment en Allemagne, qui allait juste avant la Gamescom, hein, c'est l'événement pour les développeurs. Donc pour eux, c'était l'opportunité de parler de leur projet, de rencontrer des professionnels pour peut-être même leur permettre d'avoir des contacts pour vendre leurs produits, enfin commercialiser leur jeu. Mathieu pourra nous donner son expérience à lui, mais voilà, c'était l'idée de leur permettre d'avoir accès en fait à tout ce monde professionnel dont ils n'ont pas accès en Afrique. Là, c'était pour la Paris Games Week. Donc, Mathieu en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais la Paris Games Week, ça a été un très, très gros événement pour nous. Là, du point de vue consommateur, évidemment, ça a été exceptionnel. On a eu, la première année, on a eu 30 mètres carrés de stands. Et en fait, on a eu un très bel engouement de la population, des visiteurs. C'était une super expérience. Là, c'est la Paris Games Week 2019. On est passé de 30 mètres carrés à 108 mètres carrés. Avec l'aide donc du CEL et d'autres partenaires, hein, puisqu'on a eu quand même pas mal de sponsors cette année, dont Digital Lab Africa. Voilà, on a eu 8 pays représentés, je crois, et 12 studios différents. Donc ça s'est jamais fait ailleurs. Lors des rencontres à Paris Games Week, on a eu des rencontres extrêmement privilégiées. Donc, par exemple, l'ambassadeur d'Algérie en France est venu sur le stand d'Africa Corner en 2018 pour féliciter et rencontrer Amir, qui tient un studio franco-algérien. Donc là, c'était une expérience super pour tout le monde. Il nous a même d'ailleurs invités après à un événement à son ambassade. Quelques mois qui ont suivi après. On a également eu un représentant de l'ambassade du Kenya en France qui est venu féliciter Georges Aéré. On a également Dobingo, donc tout le monde le connaît, hein, je n'ai pas besoin de le présenter, qui est venu sur le stand et qui a essayé pas mal de jeux, et notamment celui de Jules qui est ici avec lui sur la photo, du studio Limpio. On a également des grosses pointures, hein, de l'industrie du jeu qui sont Pierre-Alain de Garrigues et Fred Moulin, que tout le monde doit connaître également. On a eu Muriel Tramis qui, l'a même là, pendant cette année-là, en fait, à la Paris Games Week, elle venait pour recevoir sa décoration de Légion d'honneur. Et elle a passé pas mal de temps aussi avec les studios africains à discuter avec eux, à voir ce qu'ils faisaient. Donc, c'était vraiment... Voilà, mémorable. On a eu aussi Monsieur Karaté et puis son acolyte Jago Loire qui sont venus, et on a même eu un YouTuber qui nous a fait une animation qui s'appelle Razmo,
Qui était venu avec ses équipes pour chanter. Voilà, enfin, c'était une super Paris Games Week, on a vraiment adoré. Du coup, on a voulu faire la même chose, mais en plus grand, en 2019. Ah, tiens, j'avais oublié Olivier Morin, que tout le monde doit connaître aussi. Donc voilà, on a eu plein de gens. Hein. Il y en a plein que je n'ai pas pu mettre, évidemment, mais on a fait de super rencontres pour les studios, c'était génial. En 2019, ben, on a Alexis, bien sûr, de Game One, qui a interviewé Sidik en aparté sur l'aventure Africa Corner. On a bien sûr Julien Tellou et Marcus qui sont venus également sur le stand et qui ont interviewé en live. Ils étaient venus en live avec l'émission Game One pour montrer un petit peu l'avant-goût de ce qu'allait être le stand, c'était à la soirée VIP. On a Emmanuel Martin, bien sûr, qui est venu nous saluer et qui est accompagné ici du prince Guézo du Bénin également d'un haut fonctionnaire béninois qui sont venus pour rencontrer le studio béninois, hein, d'ailleurs. J'ai son nom de famille, mais je suis désolée, j'ai un trou de mémoire sur le prénom. Ça me reviendra plus tard. On a même Black Panther et son acolyte qui sont venus nous saluer sur le stand. Voilà, ils nous ont fait un... ils sont venus faire leur show sur le stand. C'était génial d'avoir Black Panther. On a également eu un petit partenariat avec Jumble Dance, qui est une danse, qui promouvoit la danse africaine pour un peu comme la Zumba, mais avec des musiques et des musiciens africains uniquement. Là c'est une photo du groupe Africa Corner de l'année 2019. Donc voilà, c'est des super aventures. Il me reste 5 minutes si je peux pour les vidéos. Du coup on ira plus vite sur les questions, mais oui vas-y. Ouais, bon, je les lance. On pourra pas faire beaucoup de questions du coup. Je lance le vidéo trailer des studios et puis ensuite des jeux et ensuite des studios. Il y a pas de son. Ah si. Ah. Thank you.
Alors, j'enchaîne directement sur la présentation des studios et ensuite, on a fini pour la conférence. On pourra passer aux questions. Pour moi, c'est important de montrer un peu qui est derrière tous ces jeux-là, en fait. Alors, il n'y aura malheureusement pas tout le monde parce que la vidéo a été tournée en 2019 et que donc, il nous manque les studios de 2018. Salut, je suis Herman Kondjo Asseli, promoteur de Dascosa. Je présente le jeu vidéo Zenijan. Je viens du Bénin. Voici mon équipe. Hi, we are the team of Digital Cultural Experience. We are based in Tunisia and we are the conceptors of Carthage VR. See you in Paris. See you. Hi, we are Falling Up Studios and this is our game, Precious Cargo. Lenti Arts is a video game development company that is using storytelling to change the African narrative. Je m'appelle Ali Mérez, je suis cofondateur du studio de développement Livin Interactive. Moi, c'est Léa Kéfal, je suis directeur artistique et aussi je participe au game design. Salut, c'est Jeff Pidia de notre game studio. Et moi, je vous lance sur le jeu Arc Voyance. Je vous donne rendez-vous à Paris. Maintenant, Awas Mosbeh, fondatrice de Tofula Kids. Tofula Kids, c'est une application mobile, éditeur de contenu. Le Sraïraj Nabine, Arba Al-Aslachosna. Voilà, voilà. Donc, bon, les questions sont, sont open. Bon, j'ai été un peu vite sur certains trucs, mais tu... Bon, voilà. Oui, non, mais c'était déjà très complet. On a eu beaucoup d'informations. On a pas énormément de questions, mais je pense que c'est des questions qui vont demander pas mal de temps pour les réponses. Ah oui. Du coup, bah, peut-être que tu peux enlever le partage d'écran si t'as plus... voilà, si t'as fini de nous montrer tout ce qu'il y avait à montrer. Re-coucou, Mathieu. Re-coucou. Oui. Est-ce que je peux montrer la fiche de jeu qui n'est pas apparue sur le slide? Tu veux dire pendant les questions-réponses, si les gens, ça pourrait susciter des questions. Oui, je pense. Alors, si tu arrives à partager ton écran et ta webcam a l'air d'être repartie en hauteur, je n'ai que ton front. Oui. Ah, voilà, parfait. Merci. Mais du coup, est-ce que tu arrives à faire le partage d'écran pour nous montrer la slide? Oui, je vais... Ah, c'est... Donc, voilà. Ah oui. Ah oui, d'accord. Allô, d'accord, donc voilà. C'est le jeu que vous êtes en train de développer. Oui, voilà, donc ça fait partie aussi des jeux de l'Afrique actuellement. Ok, super. Oui, il y avait quelques screens dans les vidéos. Hein. Oui, tu l'as pas vu, Mathieu. Oui. On a vu quelques vidéos, oui. Alors, du coup, bah, tu peux arrêter le partage d'écran si jamais. Ah, et, d'accord. On l'a vu, elle est passée, il n'y a pas de problème. C'est juste pour D'accord. qu'on ait tous les trois nos têtes affichées à l'écran. Donc, la première question, c'est est-ce qu'avec l'arrivée de la 5G déployée en Afrique australe et de l'Est via Liquid Telecom et autres, sera déployée à Madagascar aussi? Quel impact sur le développement et consommation des joueurs, à votre avis? Il faut que tu arrêtes le partage d'écran, par contre.
Oui, je suis en train de... Alors, pour Madagascar, moi, je ne sais pas, je laisserai Mathieu répondre, mais pour la partie Afrique de l'Ouest même aussi, il y a effectivement la 5G, 4G qui se déploie pas mal, la 5G arrive, peut-être elle arrivera même plus tôt que chez nous, parce que finalement, c'est comme au niveau des jeux vidéo, hein, les joueurs aujourd'hui, ils vont directement sur les jeux digitaux quand ils peuvent, et ils créent directement des jeux digitaux. Des jeux pardon, digitaux, ils vont pas créer des jeux sur support, etc. Déjà parce que les infrastructures ne sont pas là, mais en fait, tout de suite, ils passent du gap technologique le plus accessible et le plus immédiat. Donc, je pense qu'effectivement, l'Afrique, elle va rattraper très rapidement les gaps qui existent peut-être encore au niveau des connexions. Mais là, voilà, au Togo, au Bénin, dans pas mal de pays, en Côte d'Ivoire, il y a la fibre, hein, dans certains coins. Donc, Du coup, par rapport au développement d'un jeu vidéo, il y a Blackmagic qui demandait si vous pouvez nous donner une estimation d'un budget pour créer un jeu vidéo en euros en Afrique, ou peut-être toi, Mathieu, si tu peux nous dire plutôt à Madagascar, par exemple. je peux pas parler des chiffres exacts, ça reste confidentiel, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est pas aussi cher que la conception d'un jeu vidéo aux États-Unis, dans les gros studios aussi en Europe. Je dirais une fourchette de prix approximative pour une équipe de vingtaine de personnes pendant une durée de 2 années maximum, c'est 150 000 euros. D'accord. C'est déjà une très bonne estimation. Ce sont les coûts, en fait, les salaires mensuels en total, mais je ne parle pas ici des acquisitions matérielles qui seront nécessaires par la suite, et d'autres coûts en plus pour des... plan commercial, marketing, qui reste quand même considérable. Parce que là, il n'y a pas de miracle. Parce que si on veut se mettre à se positionner par rapport aux produits qui existent déjà aux occidentaux, donc il faut aussi mettre en visibilité dans les mêmes plateformes et tout ça. Donc ce sera à peu près les mêmes prix, hein, que les autres jeux. Voilà. D'accord. Et est-ce que du coup. Alors, il y a Dems qui demande, est-ce qu'on peut travailler à distance avec un studio africain? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler avec d'autres pays, par exemple? Moi, je vais répondre. Ouais. Ne serait-ce que pour ce projet Africa Corner, j'ai travaillé à distance avec tous les autres studios. Alors, pas dans le développement. Par contre, je leur demandais tout le temps des assets, par exemple. Donc, je leur demandais des assets vidéo, des assets... De key art, de screenshots, de choses comme ça, et on faisait tout à distance. Et quand j'ai travaillé pour Sidik également sur ses autres projets, notamment pour le FEJA 2018, avant d'être sur place en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait en fait à distance. Donc pour moi, oui, c'est possible. Les connexions sont là, hein. C'est juste que parfois ça coupe. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pays d'Afrique où l'industrie du jeu vidéo se développe plus rapidement que d'autres? Oui, ouais, bien sûr. À mon avis, d'après mes observations, il y a certains pays qui ont vraiment beaucoup de flux d'activités que d'autres pays. Parce que actuellement, j'ai entendu dire qu'au Cameroun, il y a une université de jeux vidéo qui s'est lancée, qui s'est installée en 2019, qui est Supinfo Game, qui s'est installée au Cameroun, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas de ville. Ensuite. J'ai entendu dire qu'au Maroc, il y avait plus de compétences, il y avait plus de projets de sous-traitance de jeux vidéo à l'occidental que, par exemple, ici à Madagascar. Donc, parce que nous, on a vraiment beaucoup de difficultés à recruter des personnes dans l'équipe qui sont assez compétentes, même si ce sont des personnes qui sont en autodidacte. Il y a certains pays qui comportent beaucoup plus de profils que d'autres. Donc, faut savoir que Ubisoft s'était installé en fait au Maroc, à Casablanca, il y a plusieurs années. Et donc, avait formé beaucoup de monde. Et ces gens-là qui ont perdu leur travail, puisque Ubisoft est parti ensuite du Maroc, ils ont développé leur propre studio. Et donc, effectivement, il y a plus de développeurs, on va dire, de ce côté-là. Et en Tunisie, il y a beaucoup de formations, donc c'est pas trop loin. Et en Afrique de l'Ouest, de façon générale, comme il le disait, les...
Il y a des choses qui commencent à sortir. Le Bénin, j'en ai parlé tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, il y a un studio aussi, notamment. Voilà, mais on est encore au crépuscule, mais ça vient, ça vient. D'accord. C'était super intéressant. Merci à vous deux. Malheureusement, je crois pas qu'on va avoir le temps de prendre une autre question. Je regarde. Parce que les questions que j'ai là, elles font 50 pages, ça va être compliqué de les poser en même pas quelques minutes. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour toutes ces informations, c'était vraiment passionnant. Si jamais dans le chat vous avez d'autres questions à leur adresser, est-ce que vous avez un endroit où les gens pourraient vous contacter pour vous poser des questions peut-être ? Twitter, LinkedIn, quelque chose que vous voudriez partager ? Ouais, j'allais partager ça, mais à l'écran, si, ouais. Vas-y. Alors, attends, hop. Oui, moi, c'est mon LinkedIn, je suis joignable plus facilement sur LinkedIn. Bien sûr, j'ai aussi, vous le voyez là ? Ouais. Ouais, voilà, j'ai aussi Twitter, mais c'est vrai que j'y suis un peu moins. Mais voilà, mon email, mon LinkedIn, c'est les façons les plus rapides de me contacter. D'accord. Et du coup, toi, Mathieu, si jamais on veut te contacter, il faut qu'on contacte ta boîte. Oui, tapez Lomé sur la page Facebook. Vous aurez des contacts nécessaires, je pense, parce que j'ai plus le temps de taper mes contacts directement ici, je pense. D'accord. Donc, Lomé, c'est facile à retenir sur Facebook, sur les pages Google aussi. Vous arrivez sur notre site internet. D'accord, super. Écoutez, merci encore une fois à vous deux, merci à toutes les personnes qui ont été présentes dans le chat. On va bientôt pouvoir du coup passer à la cérémonie de clôture de la donne. Merci à tous d'avoir participé. Ne partez pas, on va vous préparer une petite soirée avec pas mal de gens qui vont être là. Ça va être super chouette. En tout cas, merci beaucoup Mélissandre et merci beaucoup Mathieu. C'était un plaisir et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Ne partez pas. Merci à tous d'être restés au moins jusque-là. Yes. Merci à vous deux. Au revoir. Salut, merci.